tout donner et de ne pas faire trop n'importe quoi, d'avoir les bons réflexes. Mais bon, on ne sait jamais, hein. C'est toujours, toujours délicat, hein, comme histoire. J'ai pas eu le temps. Je vais me servir à boire, mais trop tard. Alors, où c'est-il qu'on est ? Est-ce qu'on voit la voie ? Ah bah, hé, hey, oh ! Et par contre, intérêt à mieux marcher. Ok, what... qu'est-ce que... Hein ? Non, c'est pas la Thaïlande, mais ça va être du coup... Alors, visiblement, ça a testé quoi ? Ça a testé le Cambodge, du coup, c'est le Laos. Du coup, c'est le Laos. Alors, faut que je pense déjà aux petits tips classiques. Faut aussi que je pense à utiliser mon 50-50. Ça serait bien. Plutôt qu'oublier à chaque fois. Du coup, Laos, bah, comme vous pouvez le voir... Hein, on a un alphabet très atypique. On peut un peu se tromper avec le Cambodge ou la Thaïlande, bien sûr. Même si, pour le coup, Thaïlande roule à gauche. Pas facile à trouver le Laos. Hein. En vrai, là j'ai eu par déduction. Mais pas facile. Ok, yo, là je suis pas bien. Là, par exemple, je suis pas bien. Là, je n'ai aucune idée d'où on peut être. Il y a des champs. Ça, c'est sûr. Oh. Est-ce qu'on rejoint un moment... est-ce qu'on peut aller sur l'autoroute, s'il vous plaît? Enfin, l'autoroute. Du coup, j'ai envie de dire la Bulgarie. C'est pas ça. Du coup... Mais pourtant, c'est bien du... C'est du cyrillique ou pas du cyrillique ? C'est pas du cyrillique. J'ai absolument aucune idée d'où on peut être. Je vais... Non, j'ai le droit encore un guess. Je sais pas. Croatie. Ok, 50-50. La Grèce. Est-ce que c'est... Non, l'Albanie. C'était la Grèce. C'était vraiment l'alphabet grec, là. J'ai rien reconnu de l'alphabet grec, à part le delta. Mais le delta, je sais jamais. Oh, j'ai été nul. Oh, ce début puant. Début puant. Oh là là, ouais, j'ai vu le delta, mais mais je sais pas, il y a une lettre qui ressemble au delta dans le cyrillique et du coup j'ai paniqué. Bon, ça c'est la la Lituanie du coup. Je sais jamais. Ouais, la Lituanie. On a eu le droit à tous les pays du nord de l'Europe, là. Suède, Finlande, Norvège, Danemark. Après, ça a testé Canada, Russie, Islande, Estonie. C'est la Lituanie. Très dur, hein, ces pays, pays baltiques, du coup. Là, c'est le triangle, cette façon de montrer les kilomètres qui peut nous aider à distinguer la Lituanie de la Lettonie et de l'Estonie. Mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. L'avantage, c'est qu'on a aussi ça qui peut aider. Et quoi d'autre ? Il y a beaucoup d'arbres. Quand il n'y a pas de... Quand c'est des chemins de terre aussi. Alors,
j'aille pas plus que ça. Est-ce qu'on peut sortir de cet endroit? On est sur la bonne plaque européenne. Est-ce que... Ah non, ça a été testé. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que ça pourrait être... Personne n'a trouvé, c'est marrant. Du coup, est-ce que ça pourrait être la Roumanie? Y a pas trop de raisons. Mais... On tente. Oh, y a quelqu'un qui l'a. Je vais tester un truc étrange, mais je sais pas. Ok, pas du tout. Ça marche. Non, là, je suis pas bien. Je suis encore pas bien, là. Bon, bah, 50-50. Oh, la Slovénie. J'ai même pas eu le temps de cliquer. Je suis trop nul. Trop nul, là. Ouais, si, la Slovénie. La Slovénie. Si, bah, si. C'est vrai que la Slovénie, il y a des mots qui ressemblent à l'italien. N'est pas au niveau là. On n'est clairement pas au niveau. What? Et on m'aide pas trop. Hein. On m'aide pas trop. J'ai envie de dire. Mérico. Des cactus. Des gros camions. Mérico. Ah, je m'en veux encore de la Slovénie là. J'ai utilisé mon 50-50. Pas eu le temps de cliquer sur Slovénie. Non, c'est embêtant. C'est bien embêtant cette histoire. Non, parce que franchement, déjà j'utilise mon 50-50 et en plus c'est pour ne pas totalement l'utiliser vu que j'ai pas le temps de faire le choix entre l'un des deux pays. Ça me. Faut que je sois plus performant, plus rapide dans la gestion et dans la sélection. Que ça soit sur le 50-50, mais aussi en général. Souvent, il m'arrive d'avoir des idées, de que ça soit la bonne ou pas, de pas avoir le temps de l'essayer. Ok, alors là, on a envie de se penser peut-être au Moyen-Orient. Oh, y a des gens qui l'ont là, ils sont juste trop forts. J'ai envie de tester genre la Tunisie. C'est pas la Tunisie. Je ne sais pas trop. On va tester l'Égypte. Pas l'Égypte. Oh. J'avoue que là, est-ce que je pourrais avoir des écritures? Je pense que j'ai loupé quelque chose au start, c'est pas possible. Je suis pas parti du bon côté. J'ai encore mon 50-50. The Costigan House. Mais j'ai cliqué dessus là! Oh non! Oh non! Là j'ai cliqué là! Ça c'est pas cool. Ok, c'était Malte. C'était totalement Malte. Un peu sad. Un peu sad de pas l'avoir eu. Surtout que j'avais la réponse. J'avais totalement la réponse. Mal qui est là. Par contre, j'ai pas reconnu Malte, ils ont quoi comme plaque?
Ah, ils ont bien des plaques européennes, c'est pour ça. Parce que j'ai reconnu les plaques européennes. Bon, bah, tristesse, hein. Tristesse parce que je l'ai eu, quoi. Je l'ai eu, mais une microseconde trop tard, et du coup, et bah, il me l'a pas validé. On n'est pas dans la perf, là. On n'est pas dans la perf, donc soyons dans l'apprentissage. C'est pas grave, on peut pas être toujours performant. Alors, toc, on est dans un pays probablement sud-américain. Qu'est-ce qu'ils ont comme type de plaque? Ils ont pas l'air d'avoir. Oh, ça a trouvé instant, hein, très très fort. Point BR, on est au Brésil. Je confonds souvent. Quand la carte est en grande, je confonds souvent à l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ça montre un peu mon niveau en géographie. Heureusement que j'ai eu le point BR, parce que je pensais que j'étais dans un pays espagnol et pas portugais. Donc j'ai eu de la chance d'avoir le nom de domaine. Nom de domaine qui sont très importants à connaître. Oh la rela. Les noms de domaine qui permettent de plutôt bien s'en sortir, surtout en ville. Après, il faut avoir une image assez grande ou assez haute qualité pour pouvoir les lire, mais c'est plutôt intéressant. Alors, est-ce que ça c'est pas est-ce que c'est pas Singapour par hasard? Juste par simple hasard. J'ai très envie de tester. Ça ne l'est pas du tout. Let's go. Tant mieux. Tant mieux, on va galérer. Non mais il y a un truc avec les. Oh, j'ai oublié. Il y a un truc avec les trottoirs noirs et blancs. Je le sais. Je sais qu'il y a un truc. Est-ce que je peux avoir des écritures, s'il vous plaît? Oh, je n'ai absolument aucune idée. Ouais, mais c'est quoi le pays? C'est quoi votre pays? Ça a l'air de parler en anglais. Est-ce que ça pourrait être. Est-ce que ça peut être l'Indonésie? L'Indonésie qui a l'air d'avoir été essayée. La Malaisie aussi. Où je. Ça. C'était le Nigeria. What? C'était le Nigeria. Ok. Alors là, j'avais zéro, mais absolument zéro. Donc c'est pas trop grave. Alors, le Nigeria, c'est en Afrique. Je sais. Nigeria, qui est ce pays. Me dis pas. Me dis pas qu'il y avait la Google Car et que j'ai juste pas regardé tel un abruti. C'est fort probable. Mais alors c'est fort fort probable. C'est vrai qu'il y a aussi. Il y a aussi parfois. Pas tout le temps, je crois. Mais parfois une. Voilà, un 4x4 Toyota qui nous follow. Ou un 4x4 Toyota des flics qui nous follow. Mais à mon avis, j'ai loupé les images de la Google Car. Et ça. Après, ça se trouve, elle y était pas. Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on a comme autre info? Ça, on n'a pas trop vu. C'est vrai que. Mais du coup, à retenir, hein, que. Voilà, c'est là, on les voit un petit peu, les trottoirs. J'arrive pas à retenir ce mot. Les trottoirs qui sont. Sont blancs et noirs. On n'en parle pas des trottoirs? Je voulais juste voir si on parlait des trottoirs. Plaque d'immatriculation. Mais j'étais à Abuja. Je connaissais pas. Du coup, Abuja, à noter, Nigeria, Abuja. Je ne sais pas du tout. Ok, mais c'est les palmiers et mon brain, j'avoue. J'avoue que les palmiers et mon full brain. Dommage. Dommage, j'ai envie de dire. Mais on apprend. Et j'avais oublié cette histoire de. Voilà, par contre, vous abusez. Ouais. Un qui est déjà tombé dessus, il connaît. Non, mais en vrai, ça peut être n'importe où. Hein. Là, ça peut être la France. Hein. En vrai. Ah, ça va plutôt. Quoi? Est-ce que du coup c'est la Finlande? C'est le seul qui manque. C'est pas la Finlande. Fallait que j'essaye. Fallait que j'essaye. Alors Alfa Romeo, il a réussi. Mais c'est juste infâme. C'est quoi cette voiture? Est-ce que c'est une Fiat? C'est une Fiat, ça peut être l'Italie. On a un engin de chantier. Ah, l'Italie, ça a été essayé. Ah, on arrive. Du coup, ça peut être l'Espagne. Ça, la Slovénie. Oh, tu failli me faire éliminer au premier tour. Oh, mais c'est Robert KATV. Je joue avec lui en Trackmania. Trop marrant. Mokimo Sentras. Ouais. Mokimo Sentras. Oh, il est trop fort en plus, Robert KATV. Il m'a carry sur Trackmania maintenant. Il vient me détruire. Je ne trouve pas. Je ne sais pas. Ah si, là. C'est la Lituanie. Oh, mais trop marrant en vrai. Je sais pas si ça se trouve, il est en live aussi. Ouais. Ouais, mais c'est dans quel pays, ça? Ça me fait penser à la Thaïlande, mais ça ne l'est pas. Du coup, ça peut être beaucoup de choses. Ah ouais. Alors. La Malaisie. Ah, c'est pas la Malaisie. On va tenter les Philippines. C'était les Philippines et j'ai pas fait à temps. Je suis trop nul. M'énerve. Trop lent. Pas trop nul, je suis trop lent. Trop lent. Du coup, ça, c'est le Nigeria. En vrai, ça devrait. Ça l'est totalement. Voilà, les gens qui connaissent, ils l'ont instantanément. On a la voiture de police. Le SUV Toyota de la police. On a les barres de toit qui ont des rayures. Du coup, on est direct au Nigeria. Oh, mais trop marrant quand même de croiser la même personne sur Trackmania puis sur GeoGuessr. Assez fou.
Bon. Ah, et puis là, quand vous l'avez pas, c'est dur. C'est dur quand même. Parce qu'il y a pas mal de pays en Afrique qui utilisent l'anglais. Donc, peu délicat. Ok, suivant, ça ressemble Nouvelle-Zélande à Australie. Nouvelle-Zélande, first. Je sais pas pourquoi, mais je dirais. Ok, du coup, Australie. Ça se ressemble à Nouvelle-Zélande-Australie. Peut-être un peu plus de végétation en Nouvelle-Zélande, probablement. De faire un peu le tour pour avoir des repères visuels sur chaque pays, mais bon, en vrai, j'oublie tout, mais j'essaye quand même. Alors, François Perrault, c'est sympa ça, on doit être au Canada, on doit être au Québec, parce que ça, c'est pas la France. Ça, je vous le garantis, je connais bien. Et c'est pas non plus l'Europe, hein, en vrai. Donc du coup, après des pays qui parlent français, sur GeoGuessr, il n'y en a pas des masses. Alors, là, on est dans les Alpes. Maintenant, il suffit de trouver si c'est la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, tout ça. Tous ces pays-là qui sont dans les Alpes. Ou même la France, hein, d'ailleurs. Est-ce que je suis allé du mauvais côté? Peut-être. Oui, je suis totalement allé du mauvais côté. Alors. Ah ouais! Du coup, c'est quoi? C'est la Hongrie? Oh, je sais pas, j'ai oublié. J'ai oublié. Slovaquie, peut-être. République tchèque ou Slovénie? Allez, Slovénie. Oh, c'était la Slovénie. Non, je suis pas très fort aujourd'hui, hein, clairement. Du blé plus du maïs. Ça peut être la Roumanie. Pas la Roumanie. Ça peut être. Oh, mais les gens ils trouvent trop vite. La Pologne. C'est vrai que la Pologne est aussi un gros pays producteur de blé et de maïs. Mais peut-être plus de blé que de maïs d'ailleurs. Peut-être. Ah, par contre, j'avoue que retrouver la Pologne, c'était pas simple. Pas simple pour moi. Alors, suivant, on est dans un pays que je connais pas trop bien. Ça, je sais. Est-ce qu'on peut avoir des petites infos en plus? J'ai envie de dire la Lituanie, mais en vrai, c'est juste du pif. Hein. Ok, bah c'était juste du pif. Let's go. Vive le pif. Je sais que c'est un panneau à peu près comme ça pour le bus en Lituanie et les toits en métal. Mais en vrai, ça aurait pu être la Lettonie aussi, qui a aussi ce genre de toit, ce genre d'architecture. Je crois qu'ils ont un panneau de bus un peu différent, je crois. À confirmer. Mais sinon, c'est dans ce genre-là. Par contre, j'ai vu aucune écriture.
Alors, oh, ça c'est de l'Amérique du Sud, ça. Ouais. Du coup, c'est Pérou. J'ai vu qu'ils avaient testé le Chili. Ouais, on voit les montagnes et tout, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est à haute altitude déjà. Et là, on a un drapeau, par exemple. Oh, mais là, en fait, il y avait des drapeaux partout, je les ai juste pas vus. Il y a vraiment des drapeaux. Ah non, là, il y en a plus. Ah, oh, c'est marrant. Regardez, drapeau. Ouais, drapeau partout, ça devait être la fête nationale. Là, c'était plus la fête nationale. Là aussi, drapeau. Claro. Claro Kessi. Bon, on a réussi à tenir. Alors, ici, on est soit en Finlande, soit en Estonie. Soit en Lituanie. Après, on peut être aussi en Suède, ce genre de truc. Alors, ok, bon, comme ça. Comme ça, on nous les enlève. C'était l'Estonie. Estonie, il y a pas mal ça, des forêts, des épineux, des sapins. Ici, on est probablement en Corée du Sud. Probablement. Je me trompe pas. Ok, personne s'est trompé. Dommage. C'est bien dommage ça. On est en Pologne. Faut que je m'entraîne à être rapide. Je m'entraîne à être rapide. Oh, mais on l'a encore tout su. Non. Ouais. Alors là, on n'est pas bien. Parce que là, on peut être n'importe où. Plutôt dans des montagnes en Europe. Ah, je l'ai. Je l'ai, c'est le Monténégro. C'est pas le Monténégro. Alors c'est la Croatie. Pas la Croatie. Je sais pas. C'était l'Italie. Oh bah j'avais pas du tout. J'avais absolument pas. Donc ça va. Mais comment ils ont eu les autres? Ils ont dû voir des écritures. Je sais pas, c'est. C'est quoi? C'est les États-Unis, le Canada? Pongaroa? Pongaroa? L'Afrique du Sud? Le Canada? Ça? Nouvelle-Zélande? C'est la Nouvelle-Zélande, ça? Oh, vraiment? Ok. Ah ouais. Oh, c'est fou. Oh, j'avais ça. Oh, il y avait plein d'informations que j'ai loupées. J'étais obligé d'utiliser mon 50-50. Oh.
Après, j'avoue que j'y étais pas du tout. Mais bon, le camion de la poste, là. Pas les plus là. Pas les plus là, le camion de la poste. Ok, on est à un péage. Let's go. C'est quoi le péage? Global Via Italie, Espagne, j'en sais rien moi. Je suis nul, là je suis nul. Respectez où? Ouais. Est-ce que non. Non. J'ai absolument aucune idée. À l'aide. Au secours. C'était l'Andorre. Ok. Ah ouais, ça de là. Ça de la commu. Vas-y, on va aller en lower division. En lower division, il y a quand même des golds. Hein. Alors, mince, là le AE là, c'est un truc chelou. C'est un truc chelou qui doit se reconnaître. C'est genre quoi? Genre le Danemark? Genre le Danemark. Oh mais il n'y a pas des... C'est pas un drapeau danois là? Là au fond? Mince. Là il y a un drapeau danois. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui utilisent ce AE? Aucune idée. En tout cas, on s'est pas fait éliminer au premier tour. Let's go. Et on n'a même pas eu besoin de sortir notre 50-50. Ok, next. Ok. Ah, ils embauchent. Mais du coup, c'est où? C'est quoi leur pays? Tanjung Penjuru, Singapour. Singapour. Ouais, il y avait des vibes. Hein. Déjà, on a eu. J'ai eu assez rapidement l'info que ça roulait à gauche. Qui est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'en Asie. En Asie, du coup, il y a quoi qui roule à gauche? Il y a Singapour, ça c'est sûr. Mais il y a quoi comme autre pays? L'Indonésie, ça roule à gauche aussi. On regardera après. Qu'est-ce qui roule à gauche en Asie? Après, c'était pas non plus évident que ce soit en Asie. Hein. Pareil, assez compliqué. Moi, j'ai du mal à. Après, tout dépend des pays, mais parfois entre l'Asie et l'Océanie, parfois c'est pas évident. Allez, on n'est plus que 5. On n'est plus que 5.
quoi? Zurich. Ah, Zurich, c'est la Suisse. C'est bizarre. C'est bizarre d'avoir les panneaux de Steco. Non? Bon, en tout cas, on s'est qualifié. Et ça met bien. Ça met bien. On est au tour suivant, on sera 4 maximum. Pour l'instant, on n'est que 3 à avoir trouvé la bonne réponse. Toujours que 3. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas l'Autriche. Zouk Pastis. Bien essayé. C'est pas très loin en plus. Ça craint. Ça craint carrément. Parce que je ne sais pas. Aucune idée. Absolument aucune idée. Ça me fait penser à... À rien. Ça me fait penser à strictement rien. Quel enfer. Après, si personne ne trouve, oh, il y en a un qui a trouvé. Trop fort. C'était la Roumanie. J'avais tellement pas. J'aurais dû faire comme l'autre. Faire un stand 50-50 dès qu'il y en a un qui a trouvé. Et qu'il n'y avait plus que 2 places. J'aurais dû être plus smart. Bon allez, dernière game. C'est bien. On n'a même pas besoin d'aller dans une autre division. Attention, on joue contre N'Golo Kanté. S'il est aussi fort à GeoGuessr qu'au foot, je donne pas cher de notre peau. Mais bon, normalement, il est pas aussi fort. C'est bon, il peut pas avoir tous les atouts. Wow! Alors ça c'est encore une fois Nouvelle-Zélande ou Australie. J'ai envie de dire Australie first. Je sais pas pourquoi. Du coup, Nouvelle-Zélande. Ouais, non, je sais pas pourquoi Australie first. C'est vrai que... Non, Nouvelle-Zélande first en plus. Hein. C'est très vert. Quand c'est très vert, faut mieux faire Nouvelle-Zélande d'abord. Alors... Ici, on est dans un pays européen qui peut être, qui est sûrement, probablement l'Italie. Probablement. Pas sûr. Hein. Ok, c'était bien l'Italie. C'était bien l'Italie. La Via Roggia Scania. Voilà où on était. Alors, ce pays qui est pas l'Italie en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Est-ce que j'ai loupé des trucs sur la voiture? Non. Oh, les gens sont bons. Les gens sont très très chauds. Est-ce qu'on serait pas en Australie? Ou alors en Afrique du Sud. Ok. Pas loin de se faire sortir ici. Il faut être prudent et plus réactif. Plus rapide.
Toc, petit tour sur nous-mêmes. Là, on est en Asie, c'est sûr, 100% sûr. Et ensuite, bon, je vais tenter la Thaïlande. Oui, je suis passé. Je suis passé, oh. Ça, c'est probablement encore l'Afrique du Sud, hein. En vrai. Espérons que ça soit ça. Ok, c'est ça, mais tout le monde l'a eu. Dommage. Ça marche moins bien, quoi. Oh. Est-ce qu'on serait pas back in Thaïlande? Ok. T'es pas du tout en Thaïlande, du coup on est. C'est quoi qui est. Du coup, Laos. Oh, c'est pas Laos. Alors, du coup, il me reste un essai, c'est ça? Autant prendre le 50-50. Ça. Le Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka, du coup, étudions un peu cette langue. Cette langue que je ne maîtrise pas du tout. Ok, j'arrive pas à l'avoir en grand. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Ça fait beaucoup de ronds. Beaucoup de ronds. Sri Lanka. J'avoue que sans le 50-50, j'aurais jamais eu. Sans mentir, sans le 50-50, c'était absolument dead. Mais non, arrêtez, il était pas flouté. Ok, j'ai eu la Finlande, let's go. Ça, c'est la Lituanie, non? Je sais pas. J'ai envie de. Ok, c'est pas ça. Pas ça, je me suis emballé, pardon. Ah mais si carrément, c'est carrément ça. Du coup c'est ça. Ah oh oui, j'ai eu. J'ai failli douter de moi, alors que j'étais pas si mal. Alors, on est sur un échec qui là. Vitesse Ukraine. Couleur Russie. Du coup. C'est la Bulgarie. Mais c'est ce que. Hein? J'ai encore été trop lent là? Mince. Dommage. Dommage, on perd sur la Bulgarie que j'ai trouvée. Juste. Trop lent. Ça, c'est bête. Et on finit du coup deuxième. Mais devant N'Golo Kanté. Donc, tous mes respects, N'Golo. Mais je t'ai battu. Allez, on s'arrête là-dessus. C'était. Non, c'était pas fou hein, en termes de niveau. J'ai été assez mauvais. En fait, j'ai pas été si mauvais que ça. J'ai surtout été trop lent. Il y a plein de fois où j'ai perdu parce que j'étais trop lent. C'est un vrai problème. Donc, à travailler. Mais sinon, en termes de reconnaissance. Il y a Andorre où effectivement Slovénie, j'ai eu un peu de mal aujourd'hui. Mais sinon c'est pas mal. Sinon c'est plutôt bien.